Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette suite de Landstalker sur Mega Drive. On a traversé le village de Massan, on l'a visité, on a traversé la première grotte qui est le lieu saint des chutes pour rencontrer un vieillard qui ne nous a rien trop appris sur ce fameux trésor du roi Nol. Eh bien, nous allons continuer l'aventure puisque je vous rappelle que la fille Farah, que la fille du maire, a été enlevée. Je ne vous ai pas précisé lors de la précédente vidéo que les trois livres ici sur la gauche vous permettent d'enlever le poison, la confusion, etc. Je ne me souviens plus si je vous l'ai dit ou pas. Bien. Avant toute chose, il faut que j'aille par ici parce que je crois que cette maison, je ne l'ai pas visitée. Voilà, il me semblait que je ne l'avais pas visitée la dernière fois. Alors là, en fait, vous avez ici des eke-eke que l'on peut acheter, mais je vous ai dit dans la dernière vidéo que ça servait à rien parce qu'on va en trouver quand même pas mal. Par contre, ceci est une réserve de vie, elle coûte 150, pour l'instant on ne peut pas l'acheter. Donc, on y reviendra tout à l'heure. C'est pour cette raison que je vous disais qu'il fallait qu'il ne fallait pas lésiner sur l'abattage en masse des monstres. Bien. On va descendre, direction le village de Goumi, et par conséquent, le premier vrai donjon, puisque le donjon qu'on a fait n'était pas vraiment un donjon très compliqué. Ici, vous remarquez que le pont a été réparé, alors on va descendre, et puis continuer notre périple. Attention aux petits champignons comme ceux-là, alors ça ce sont des faux, hein. Mais par contre on va trouver très vite des champignons qui vont surgir de terre et qui vont vouloir nous manger. Les bleues sont un peu plus résistantes que les blanches. Voilà. Donc on va trouver, comme je vous disais, d'autres épées. Hein. D'ailleurs, la première épée, elle est pas si loin que ça dans le jeu. L'épée de feu. Qui une fois son chargement complet dans la petite barre que vous voyez en haut, mince. Une fois le chargement complet, va enflammer l'ennemi sur le prochain coup. Voilà, il y a l'épée du tremblement de terre, il y a l'épée électrique, il y a l'épée de glace. Et l'épée... j'en ai oublié une, bref. Ça c'est un champignon, voilà. Comme je vous disais, vénéneux. Le lieu saint des marais, ça sera pour plus tard. Le village de Goumi, c'est en bas. Et le village de Massan, on y arrive. Si je veux quand même tuer celui-là. Allez, voilà. Et là, il y a un coffre en haut. Alors, comment y accéder? Bien, je vais vous le montrer. Ah. Je vais garder mon seul point d'énergie. Eh bien, en fait, ici... il y a un escalier caché. Il faut venir là. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça doit être là. Non. Voilà. Vous voyez, la 3D isométrique, elle est quand même extrêmement déroutante. En fait, il faut vous coller ici, faire un saut devant vous. Et ensuite, les suivants vers le bas. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, et je vous garantis que dans les donjons, dans les phases d'exploration, parfois c'est très, très, très compliqué. Allez, on arrive au village, en espérant que je ne perde pas ma vie, ce serait dommage. Ah, des orques. J'adore ces thèmes musicaux. Bien. Nous voilà au village Goumi. Alors. Bon. Eh bien, eux, ils ne veulent pas nous laisser rentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par ici. On va se faufiler. Donc voilà, ils vont sacrifier... enfin, ils veulent sacrifier Farah. Il
Ils sont devenus complètement fous, ces habitants. Bien, et maintenant, on est prisonnier ici. Alors, il faut remonter par là. Et puis, les deux gardes à l'entrée ont disparu. On va pouvoir passer une nuit dans cette auberge. Ça sera pas mal. Vous remarquez encore une réserve de vie. Et il me semble que... Non. Il me semble qu'il y en a une qu'on peut dérober comme ça. Je ne me souviens plus. J'ai fait le jeu il y a quelques années la dernière fois. Combien elle coûte celle-là? 206. Vous rigolez les mecs. Hein. On va passer une nuit déjà. Ça sera pas mal. Et on va se reposer. Parfait. Nous voilà à fond. Apparemment, j'ai dû passer la nuit sur le comptoir. Là, il n'y a pas de coffre à ramasser. Je me permets cette petite visite. À la prochaine. On va se revoir pour ta réserve de vie. Voilà, Pocket. Bien. Lui, il détale dès qu'il nous voit. Ici, il y a quelqu'un. Ah, apparemment... Tout le monde est allé au lieu saint. On va visiter quand même. Là, il n'y a rien. Une petite hutte vide. Ici, il y a un petit coffre à récupérer là. Avec une réserve de vie. Voilà. Qui porte le total à 12 pour l'instant. Ça, c'est la maison du maire. Il y a le petit crâne au-dessus. Y a personne, mais il y a un objet ici qui nous intéresse, puisque cette pierre va nous ouvrir un passage très important pour la suite. Voilà ce qu'il fallait ramasser dans ce village. Alors moi, je vais quand même sauvegarder. Les sauvegardes sont illimitées, alors je vais en profiter, comme ça si jamais les vidéos sont trop longues, je pourrais toujours faire un petit montage pour pouvoir faire en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues. J'aimerais bien respecter la demi-heure ou au moins la grosse demi-heure de vidéos que je me suis attribué. Là, si vous allez par là-bas, pour l'instant, alors je vais quand même vous montrer, hein, parce que... Il faut quand même que je vous montre un petit peu ce pourquoi on fait tout ça. Allez, je vais tracer. Voilà. Ici, il y a Pocket. Et là, le passage, en fait, s'est obstrué. On ne peut pas passer. Pocket nous dit... Voilà, il a trouvé qu'une statue étrange chez le maire. Bien, nous, en fait, je vais vous rappeler que la pierre, on l'a ici. Alors, on va retourner de l'autre côté. Et voir le seul endroit que l'on n'a pas visité à présent. Allez, fichez-moi le camp. Bien, nous voilà de retour dans le village. La poule est complètement tarée. Eh bien, si vous vous rappelez, cette petite fille, elle parle du lieu saint. Eh bien, nous allons aller voir du côté de ce lieu saint. Apparemment, il y a quelque chose qui nous intéresse là-bas et on a besoin d'avoir des réponses pour récupérer Farah. Hop, désolé, je fais un petit peu d'argent. Au pire, sur les passages comme ça en campagne,
trop long, je vous couperai un petit peu la vidéo, enfin je vous accélérerai un petit peu la vidéo, histoire d'éviter de perdre du temps là-dessus. Ouh là là, je l'ai échappé belle là-dessus. Bien, allez, voilà, c'est vrai, il y a ce petit piège-là. Vous voyez, les combats sont pas très compliqués. Alors forcément, l'intelligence artificielle s'élève au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Hein. Vous voyez, le blob, par exemple, celui-ci avance un petit peu vers moi en sautant. Vous allez voir que les blobs, petit à petit, deviennent de plus en plus coriaces et surtout, ils deviennent de plus en plus intelligents. Puisqu'ils vous sautent carrément dessus, après, ils vous poursuivent dans tous les sens. Je vous déconseille de tomber dans l'eau parce que l'eau est vénéneuse. Et puis surtout, il me semble que vous tombez malade ici. Oh là là. Allez, messieurs les orques. Les orques si chers à cet univers. Bon, bah lui, il va rester là où il est. Bien. Ils ont emmené Farah à l'intérieur du lieu saint. Pas moyen d'ouvrir la porte, quel dommage. Ils se sont servis d'une chose bizarre pour ouvrir la porte. Cette chose bizarre, vous savez ce que c'est. Alors là, il y a une grotte, mais on va sortir par là-bas, donc n'y allez pas, ça ne sert à rien. Pour l'instant, on va se contenter d'utiliser la pierre idole. Et nous y voilà. Bien, nous voilà dans le premier donjon. Alors ici, on va esquiver les boulets, puisque ça fait mal. Et puis, on va essayer de visiter un petit peu tout ça. Ah là 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 là. Allez. Oh là là, mais je suis pas réveillé ce matin. Majoritairement, il y aura toujours quelque chose à récupérer dans une salle. Il y a rarement de passage cul-de-sac dans ce jeu. Il y a toujours en général un coffre à récupérer. Voilà, un saut assez long à faire. Et ici, on trouve un eke. Vous remarquez cette porte qui est fermée par une clé. Donc pour l'instant, on ne peut pas y aller. Bien, on va longer le mur ici. Et puis, on va rentrer dans cette première pièce pour récupérer encore un eke. Vous voyez, hein, c'est vraiment... ça pullule, ça pousse dans tous les sens. Ici, rien d'autre à ramasser, on peut sortir. On fait toujours attention au boulet, donc là, vous ne bougez pas. Vous le laissez passer, et puis quand il est passé, vous pouvez rentrer dans celle-ci. Là, il n'y a rien. C'est uniquement un passage pour pouvoir avoir le temps ensuite de... Voilà, de... passer entre les boulets. Là, la porte s'est fermée. Il faut simplement éliminer les ennemis pour pouvoir abaisser ces espèces de blocs de pierre qui nous obstruent le passage. Le lieu saint, je sais pas vraiment ce qu'il considère de saint dans ce jeu, enfin dans ce donjon. Allez. Alors, j'aime beaucoup ces espèces de carrefours dans Landstalker, il y en a quand même pas mal. Je commence toujours, moi, par la gauche, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma manière de faire. Je ne me souviens plus exactement des donjons. Hein. J'ai perdu un peu la mémoire sur ce jeu. Alors ici, cette salle est assez facile à traverser. Il faut simplement longer le mur et bien gérer ses diagonales. Ne vous écartez pas, puisque le moindre écart fait qu'on se fait toucher par les boulets. Ici, on avance jusqu'au bout, on passe en dessous. Et puis, on va récupérer ce petit coffre. Une clé. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'il y avait une porte fermée. Ça peut éventuellement correspondre. Retour en arrière, attention ici, n'avancez pas trop, on refait le tour, ça passe, voilà, toute est histoire de 3D isométrique ici. Hein.
Alors là, on va essayer de pas se faire avoir. Oh là 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 là. Voilà, je suis à fond sur les kéké. Normalement, à la fin du donjon, on devrait avoir assez d'argent pour acheter les deux réserves de vie des deux villages, donc Massan et Gumi. Si la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'essaierai de vous emmener à cette petite énigme pour récupérer l'épée suivante. Voilà, là on se trouve dans le cas où on a 9 Ekeke en haut, vous voyez, mais l'énergie n'est pas à fond. On ne peut pas le ramasser, donc, eh bien, nous allons l'utiliser de manière à pouvoir le ramasser. Voilà. Oh là là, ça nous tombe dessus. Vous voyez, les donjons sont tout de même assez vastes, hein, puisque là, pour un premier vrai donjon, vous voyez que vous avez de quoi se perdre un petit peu. Alors maintenant, ça nous fait quand même un peu sourire, hein, on n'est pas vraiment dans les open world, mais on est quand même face à des donjons où il y a plusieurs possibilités. Et vous savez, pour il faut se remettre dans le contexte de 1993, hein. On commence à avoir quelques Zelda, voilà, les jeux d'aventure se font encore pas rares, mais il n'y en a quand même pas énormément, surtout qui viennent jusqu'en Europe. Donc c'est assez déroutant pour nous petits occidentaux. Une deuxième clé. Et oui. Ce qui porte le total maintenant à 2 clés. C'est pour ça que je voulais vous amener ici avant. On est tout de suite tenté de revenir vers la porte que l'on a vu bloquer tout à l'heure. Mais vous seriez bloqué par une deuxième porte verrouillée. Voilà. Ce mécanisme d'ennemis à tuer pour pouvoir ouvrir les grilles, vous allez le retrouver très souvent dans ce jeu. Allez, retour dans la pièce avec le coffre qui est apparu. Et puis ici, le dernier passage enfin. Voilà. Je commence toujours par la gauche, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de prendre les carrefours d'une manière chronologique, hein, disons. Voilà. Et vous voyez qu'on revient à cette porte-là. Ouh là 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 là. Et voilà, on a fait le tour pour l'instant de tout ça. Retour dans cette salle, cette première salle où on est arrivé tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, c'est le fait de tuer tous les ennemis qui nous fait apparaître cette petite plateforme sur laquelle on peut grimper. Bien, allons utiliser cette première clé. Ici. Et rentrons. Alors, moi, je vais passer au milieu. Voilà. Les blocs, pour l'instant, on s'en fiche parce qu'ils sont vraiment pas méchants. Alors vous voyez là, je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait les ennemis peuvent ramasser votre or s'ils passent dessus, et vous le récupérez bien entendu en plus quand vous tuez cet ennemi, ne vous en faites pas. Ils ne peuvent pas par contre ramasser vos coffres, et encore heureux. Ouh là là. Alors ceux-là sont pas vénéneux, par contre vous voyez la petite attaque qu'il m'a fait là avec la petite fumée. Vous pouvez être malade, et je vous garantis que dans ce jeu, quand vous êtes malade, c'est quand même un peu pénible. Je sais plus exactement par où il faut passer. Oh là ! Mal géré, ça. Là, je sais qu'il y a une porte verrouillée, mais j'ai envie d'aller voir ici, avant. C'est bien ce que je pensais. Donc en fait ici vous voyez vous ne pouvez pas passer. Hein. On ne peut pas sauter sur cette plateforme. Il va falloir d'abord aller
aller l'abaisser. On va donc utiliser cette seconde clé ici. Et puis à nouveau être la proie d'ennemis malfaisants. Voilà. Bien, cette petite plateforme nous permet d'aller actionner cet interrupteur. Et forcément, vous vous en doutez, cette fameuse plateforme s'est maintenant abaissée. Bien. On arrive bientôt à la fin du donjon. Enfin, à la fin. Ouais, si, à la fin. Voilà. Ici, la porte s'ouvre. Il n'y a pas d'autre choix. On va s'y engouffrer. Et là, donc, vous avez plusieurs possibilités. Alors, que je vous montre. Arrivé ici, vous voyez, si vous le posez, ça enlève une petite plateforme. Si par contre, vous le mettez ici, vous voyez, il ne se passe rien. Les deux qu'il faut actionner sont celui-ci et sa diagonale. Voilà. Et là, vous pouvez passer en dessous. Là, une phase de plateforme, comme on les aime, sur notre chaîne. Hop, là, il faut se dépêcher, c'est chronométré. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer sur notre sort. Cette porte est verrouillée. Je vais vous faire remarquer qu'on est à zéro au niveau des clés. Donc pour l'instant, on va emprunter cette plateforme. Attention, celle-ci va s'écrouler. Voilà. Nous y voilà. Alors là, il faut trouver les ennemis. Il y en a qui sont ennemis et il y en a d'autres non. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y en a un dernier qui doit se trouver par là. Bien. Encore du monde. Allez, venez les gars. Je vous l'avais dit, hein, ce mécanisme est très fréquent dans ce Landstalker. Voilà, ici, on actionne et on y va. Et puis on arrive dans cette petite salle avec ses boulets à esquiver. Alors ici, eh bien, une énigme assez sympathique. Là, vous remarquez que on ne peut pas en fait grimper. Il y a pas mal de petites choses, vous voyez, qu'il faut actionner, comme par exemple ici. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre ceci, vous allez poser ça ici pour pouvoir bloquer les boulets. Et puis celui-là, vous allez le poser dessus. Vous allez pouvoir maintenant passer par ici. Mais là, vous remarquez que celui-ci également est, on va dire, vous gêne pour passer. Donc, l'idée, en fait, est d'avancer petit à petit. Et voilà, c'est raté. Allez. Et puis, hop, voilà, il faut simplement actionner les deux. Je sais qu'on peut passer sans se faire toucher, mais j'ai fait un peu le bourrin. Voilà, et on se retrouve ici. Vous doutez que là-dedans, c'est la clé qu'il nous manque. Là, vous pouvez effectuer un saut. Vous pouvez effectuer un saut sans tomber, mais apparemment, c'est raté pour moi. Hein. On reprend les plateformes chronométrées, puis celle-ci, afin d'arriver devant cette porte verrouillée. On utilise cette dernière clé du donjon, si ma mémoire est bonne. Et puis voilà, alors là vous avez quelque chose de chronométré. Hein. Vous avez sans arrêt des boulets qui vont dévaler la pente.
Et puis ici, vous voyez la plateforme qui vient de se surélever. Non, ça n'est pas chronométré, je croyais. Voilà, la plateforme s'est surélevée, ce qui nous permet de sauter. Là, en fait, c'est trop haut, donc on laisse passer le boulet. On va éviter ça, voilà. On y va. On laisse passer le boulet. Et on repasse. Vous voyez, la 3D isométrique, encore une fois, on ne sait pas vraiment où on est par rapport aux boules avec les pics. Mais figurez-vous que ça passe tranquille. Voilà. Tout simplement. Bien, il y a ici deux choses. Alors, je vais d'abord aller par ici. Oh là là, il y a du monde. Ah oui. Hop, 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 hop. On va d'abord monter là. Que je vous montre un petit peu ce qui se passe. Là, vous avez une porte avec un cadenas. Mais nous, on n'a plus de clé. Donc, on va redescendre. C'était simplement pour vous montrer ce qui se passe. Et ici, eh bien, vous avez une porte qui ne s'ouvrira qu'à condition, voilà, que quelqu'un saute sur l'interrupteur, puisque l'interrupteur ne reste pas enfoncé. Là, vous avez une clé. Qui correspond à la porte qu'on a vue tout à l'heure. Là, je vais aller par ici. Et puis, moi, j'ai envie d'aller ici pour descendre. Récupérer cette réserve de vie. Voilà, ça nous a ramené pas mal en arrière, mais je voulais avoir cette réserve de vie. Donc voilà, j'avancerai peut-être un petit peu la vidéo. Bien que non, je pense que ça a l'air plutôt bien parti pour qu'on ait le temps de terminer le donjon tranquillement. Alors, il y a des donjons qui sont plus longs. Hein. Vous verrez que notamment le labyrinthe vert fera peut-être l'objet de deux vidéos, puisque c'est vraiment c'est un labyrinthe en pleine nature. Les arbres sont tous les mêmes. Et je vous garantis que c'est vraiment à se tirer les cheveux, parce qu'il y a des passages qui sont atroces, tellement c'est vicieux de la part des programmeurs d'avoir fait de tels passages dérobés. Là, on va descendre tranquillement. Enfin, tranquillement, je sais pas si c'est vraiment tranquille, mais bon. Ça, c'était la porte qu'on a ouverte tout à l'heure. Non, pardon. Autant pour moi. Voilà, la plateforme qui s'est abaissée est par là-bas. Oui, hein, je vous l'ai dit, hein, je suis désolé, ça nous a fait revenir un petit peu en arrière, mais... Ah, mais voyez, voilà ce qui se passe quand on est à zéro. Et Friday nous sauve de ce mauvais pas. Alors, pour l'instant, ça va, parce que ça nous remet quand même presque la totalité de notre vie. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand Friday nous remet d'elle-même d'aplomb grâce à Eke Eke, eh bien, ça nous remet à peu près la moitié de notre vie. Ce qui n'est pas cadeau quand vous vous trouvez face au roi Nol ou à sa transformation. Je vous laisserai la surprise. Ici, on peut refaire cette petite énigme très rapidement. Ah, mais oui. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Des fois, j'en fais qu'à ma tête. Et ça ne passe pas toujours. Je vais être prudent. Autant sur Flashback, j'ai pas souvent fait ce genre d'erreur. Mais sur Tomb Raider, vous avez dû me voir échouer à des endroits où c'était très très simple. Ici, vous voyez tout à l'heure que j'ai sauté dans le petit trou au fond contre le mur, puisque si vous tombez juste devant vous, en fait ici, eh bien vous tombez à côté de la plateforme qui contient la réserve de vie. Et pour le coup, c'est quand même très très dommage.
Allez. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait en tout cas. Bien. Nous y voilà. Foutez-moi la paix, les gars. Voilà. Et eux, ils ne vont pas bouger de la porte. Ils sont complètement énervés. Voilà, on va utiliser notre dernière clé. C'est celle-ci, la dernière clé. Et puis, on va aller affronter un petit boss. Je vérifie qu'il n'y a rien à ramasser ici, mais je ne crois pas. Non. Bien. Il y a des gens en train de se prosterner. Le roi orc. Enfin, les rois d'ailleurs. Venez les gars. Oh, ils sont juste un peu plus résistants. Et voilà. On ramasse une petite réserve de vie qui nous est gracieusement offerte. Et on délivre Pharah. J'aimerais te remercier plus longuement tout à l'heure chez moi. Ouais. Bien, ici il n'y a rien d'autre à faire à part tomber. C'est ce que l'on va faire. Pour tomber sur cette plateforme où l'on ne pouvait pas aller tout à l'heure. Et puis, comme je vous l'ai dit juste avant le donjon, il y avait un passage sur la droite où l'on pouvait aller. Le voilà. Et c'est la sortie. Voilà pour ce premier donjon. Nous allons retourner au village. Et puis, je vais quand même essayer d'aller vous chercher cette épée si j'ai le temps avec les dialogues. Sachant qu'il faudra que je retourne à Massan, ça va être compliqué. Mais bon. On va quand même tenter le coup. Au pire, j'accélérerai un tout petit peu quelques passages. Oula. Alors lui, normalement, voilà, il me laisse pas tranquille. Et on va retourner au village Goumi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oula. Je joue avec la vie. Allez. Ah mais voyez, n'importe quoi. Ah, c'est un peu le problème du début du jeu, quand on n'a pas beaucoup de vie, c'est vrai qu'on se fait toucher 2-3 fois et puis ça y est, on est mort. Enfin, on est mort. On s'évanouit, les petits orques. Allez. Bien. À présent, tout le monde est là. Bienvenue au village, maintenant je suis le bienvenu. Même la poule est contente, vous voyez. Je vais aller directement, moi, voir le maire. Voilà, ils veulent se faire pardonner. Merci encore. Et une petite réserve de vie qui nous fait du bien. Je vais m'assurer qu'il n'y a rien d'autre à ramasser dans ces... dans ces petites maisons. Voilà, ils regrettent tous, ils sont désolés. Ils étaient sous l'emprise des rois orques. Une sorcière qui vit du côté de Mercator, elle serait très âgée. Sachez que ceci fait l'objet d'une quête annexe que l'on fera de toute façon, puisque le butin à récupérer est fort intéressant, surtout quand on a les épées magiques. Moi, je vais acheter ceci. Oui, merci. Et puis, je vais faire une petite accélération de vidéo pour pouvoir aller chercher la réserve de vie du village de Massan. Bien. Nous voilà donc au village de Massan. Je reviens ici pour commencer par acheter cette
cette superbe réserve de vie que l'on peut maintenant acheter. Voilà, je pourrais acheter les Keke, mais avec 7, j'ai largement de quoi faire pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on en trouve d'autres, je vais conserver mon argent. Ici, la petite Farah. Ah, qu'est-ce que... Voilà. Non, moi j'ai peur de rien, moi. Si j'avais le joyau rouge... Ah oui, il y a quelques petits soucis d'orthographe, mais bon. Et voilà. Le joyau rouge. Joyau rouge qui se trouve ici. Qui, pour l'instant, ne va pas nous servir, mais... Il va être indispensable pour la suite de l'aventure. Bien, une petite accélération de la vidéo et on se retrouve au village Goumi. Et nous voilà au village Goumi. Je vais commencer par aller sauvegarder. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Vous étiez complètement possédé. Une petite sauvegarde bien méritée et je vais quand même me diriger vers le prochain village. Histoire de faire peut-être un peu moins de vidéos. En nombre, j'entends, puisque je ne veux pas faire non plus 497 vidéos. Pour ce Landstalker que j'adore et qui pour moi reste un classique. Alors on est quand même dans une période où, comme je vous le disais, nous sommes en 1992 et enfin 92 au Japon quand ça sort, donc 93 en France, et on est sur cette deuxième vague de jeux Mega Drive qui arrive, qui sont vraiment exceptionnels avec tout ce qui est Aladdin. Ce genre de choses, hein, vous voyez, c'est Sonic 2, voilà, il y a vraiment, vraiment de très grands jeux qui sortent sur Mega Drive en 1993. Avoir aidé les habitants du village Goumi et Massan vous donne l'opportunité de progresser dans l'aventure, puisque les habitants de Massan sont amis avec Goumi. Et donc, c'est parti. Et voilà. Allons-y. C'est la suite. Bien, nous allons aller chercher ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par ici. Nous voilà sur une phase un peu plus complexe. Puisque... Il y a une phase de plateforme assez déroutante ici. Là, il va falloir grimper. Il faut bien se repérer pour réussir son ascension. Ici, vous retombez dessus et vous sautez devant vous. Vous vous collez bien au mur. On peut progresser ici. Là, c'est tout droit. Et là, c'est en diagonale vers la gauche. Maintenant, là, cette plateforme suivante est juste vers le bas. Comme ça. J'ai raté ma diagonale, désolé. Et là, c'est l'autre diagonale, par ici. Un petit saut pour avoir cette réserve de vie. Et une fois que vous grimpez là, là c'est trop haut, il faut juste faire une diagonale à droite, comme ceci. Eh bien non, figurez-vous que j'ai raté. Et voilà, vous voyez, ça se mérite. Hein. En tout cas, sachez qu'il n'est nullement obligatoire de récupérer ces épées. Il s'agit simplement de petites quêtes annexes, en fait, si vous voulez récupérer d'autres armes plus puissantes que votre épée de base. Mais de toute façon, vous gagnerez en puissance au fur et à mesure de votre aventure. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même de grandes disparités entre l'épée de base et les épées magiques qui vont suivre, que je vous conseille d'ailleurs de récupérer.
Mais nous, de toute façon, on va tâcher de toutes les récupérer. Bien. Et voilà. Merci monsieur. Donc là, vous remarquez que notre épée est blanche. Et bien maintenant, nous avons cette épée magique qui fait recharger notre épée en haut, vous le voyez, mais qui est rouge. Elle est plus puissante à la frappe, c'est sûr, mais également, également plus puissante une fois qu'elle est entièrement chargée. Bien. Bon, ce fut assez laborieux pour ce système de saut, mais que voulez-vous ? Je vais laisser mon épée chargée, vous allez voir ce que ça va donner. Je vais le faire sur un ennemi après. Oula ! Regardez, et voilà, il s'est enflammé. Ah, ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, allez, on va essayer de se concentrer un petit peu. C'est vrai qu'ils sont plus résistants que prévu, eux. Ces espèces de géants, là. Allez, voilà. Et maintenant, je tue les blobs en un seul coup. Hop là, ici c'est un petit ver de terre. Là vous avez deux grands arbres. Celui-ci est identique à celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais par ici, vous avez un arbre encore plus grand. Et lui a un visage. Tibor, l'arbre, se plaint. Mais pour l'instant, il ne nous offre pas l'opportunité de rentrer dans son tronc. Vous verrez sur une prochaine vidéo cette quête annexe qui est fort intéressante pour pouvoir se téléporter d'un arbre à un autre, ses fils comme ils les appellent. J'ai oublié de vous montrer la petite pancarte, quand même je vais faire les choses comme ils se doivent. La ville de Mercator est en haut, ça sera pour plus tard. Nous on va se diriger vers le village de Ryuma. Le village de Ryuma qui fera l'objet de notre prochaine vidéo, le village ainsi que son donjon. Mais je vais déjà vous y amener. J'aime beaucoup ce village. Et j'aime beaucoup son donjon d'ailleurs. J'espère en tout cas que ce petit let's play de Landstalker vous plaît. Oui, c'est pas un jeu très courant. Il y en a qui le connaissent. Mais voilà, ça reste pour moi une référence de la Mega Drive et une référence du jeu d'aventure 16 bits en général. Il y a ici une petite auberge. Je vais d'ailleurs sauvegarder. Mais avant ça, on va passer une nuit pour se remettre d'aplomb. Et puis, on va aller sauvegarder laisser la visite du village pour la prochaine vidéo afin de comprendre pourquoi nous sommes là et pourquoi il faut venir ici en priorité. Vous voyez que c'est un village assez fleuri, hein. Je le visiterai la prochaine fois. Le prêtre est toujours le même, il se téléporte d'une église à une autre. Et nous y voilà. Merci d'avoir regardé ce second épisode de Landstalker sur Mega Drive. Je suis ravi de vous présenter encore une fois ce jeu. Je vous dis à très vite et bon jeu !